un chevalier de lettres, un truc comme ça, quoi. Ça. Et du côté de Point Brillant, l'amabilité n'est pas la même, puisque tu en sens il calcule toutes les personnes dans l'attente, a l'air de les juger de façon assez faible. Du coup, il va juste faire un petit soupir, un petit peu pour les snober un petit peu, se racler un petit peu, puis sortir de l'attente. Moi, ayant été domestique, fut un temps, donc cas précepteur, donc je ferai un salut de domestique à maître. Enfin, comment on peut dire? Une Oui, révérence. Voilà, une une révérence. petite révérence. Et puis je Mais ressortirai de l'attente. une T'as politesse. différentes manières. Enfin, selon ton statut social, ta révérence n'est pas la même, quoi. Je veux dire, on va dire le état ou le samouraï qui se met à genoux et qui pose le front au sol devant un shogun, c'est aussi une forme de révérence, quoi. Mais celle-là, c'est vraiment la révérence. Je suis tout en bas, quoi. Tu te courbes. Je crois que c'est ça. Oui. Tu te courbes. Oui, ben voilà, je me courbe face au général et je ressors. Du coup, vous n'allez pas aller très loin, vous allez juste dans un coin de l'attente où Tilly va juste demander à ses camarades de la laisser tranquille parce que, évidemment, quand ils la voient, ils ont tendance à vouloir se presser vers elle pour avoir des nouvelles et elle met un petit peu la distance, voilà, là, tout de suite. Mais du coup, elle vous amène un petit peu dans un coin. Du coup, elle te regarde, Mao Mao. Je vois que tu as ramené. Point brillant avec toi. Je suis content de Oui. voir que tu les as trouvés. Donc, a priori, ça a l'air. Enfin, je t'expliquerai mieux plus tard, mais a priori, ils ont l'air de gérer la situation, Morxan et Direndo. Ils sont restés là-bas. Bon, je t'en parlerai mieux et plus détaillé après, quoi, mais a priori, Point Brillant a préféré venir avec nous. Et donc, je pense que il estime que ça, comment dire, ses compétences sont plus importantes ailleurs que là-bas. Donc ça a l'air d'être un peu moins chaud comme endroit, comme ligne de front maintenant. Et sinon, bah, j'ai rencontré Rusty. Ça aussi, je t'expliquerai un petit peu. Comment dire, il est plus qu'il ne paraît. Mais il cherche quelqu'un. Je me suis dit que toi, peut-être, tu pourrais utiliser comment dire, tes relations pour trouver une solution, en fait, à son problème. Du coup, elle te regarde, il te regarde, Rusty. Et comment tu fais? Donc, et du coup, elle pose la question à Rusty. Et comment tu fais, toi? Comment j'ai fait quoi? Toujours avec cette voix métallique. Hein. T'es en doigt métallique, là? Non, je suis toujours en forme Félix, mais ça modifie pas la voix, donc j'ai toujours la voix un peu métallique. Du coup, pour avoir cette stature, cette voix, cette capacité de ne pas avoir d'odeur, comme ça, là. Mais du coup, il te demande aussi comment tu fais. C'est une apparence pour pouvoir mieux m'intégrer parmi votre population sans que mon apparence véritable puisse porter préjudice à mon intégration. Ok, du coup, elle te met juste une main compatissante pour avoir sur ton avant-bras gauche. Alors, elle a droit à un jet de perception, Mao. Mao, alors pas un jeu de perception. Sais pas si je le fais. Quoi, moi? Ouais. Oui. Moi, j'ai droit à un jet de perception. Oui. À cause de l'illusion, je suppose. Hein. Oui, bon, je pense qu'il le voit. Hein. Tu vois que sa main passe au travers
des vêtements de Rusty. Et du coup, elle touche une peau métallique. Ah, ok. D'accord. Elle fera pas cas de ça. Elle fera juste un hochement de tête d'approbation. Très bien. J'ai fait des compagnons. Je souhaitais de mieux lors de cette quête. Et pas des moindres. Bon, en regardant le calendrier. Eh bien, c'est tout. Il t'a rien dit sur moi. Il n'a pas dit quand il reviendrait me voir. Bah, il est en mission. J'ai un message pour toi. Mais je pensais t'en parler plus tard. Mais je peux te le donner maintenant, si tu veux. Pour le souvenir, il y a une moitié de la lettre qui est un peu indécente. Oui, oui, oui. C'est ça pour toi, mais je pense que tu préféreras le lire au calme, quoi. Très bien. Il y a beaucoup à faire ici. Je sais que je t'ai déjà mangé demandé beaucoup de choses. Mais comme je te l'ai dit, je pense que nous sommes dans une période où nous avons besoin de toutes les personnes disponibles pour nous aider. Donc je ne sais pas quelles sont vos ambitions. Comme je te l'ai dit, maintenant que tu m'as rendu ce service, tu souhaites suivre ta propre quête. Bon, moi, si je peux continuer à aider, j'aide. Hein. De toute façon, je pense que là, comment dire, le problème de Rusty, enfin, il en a un autre pour plus tard, mais là, le problème de Rusty de là maintenant, ça pourrait bien être une bonne occasion pour se trouver des alliés pour cette guerre à venir. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant quand même de que tu en discutes avec lui. Très bien. Du coup, elle tourne la tête vers Rusty. De quoi il s'agit ? On est au milieu du camp, là, on est d'accord ? Oui, oui. Tu vois qu'il tourne la tête vers... Elle comprend très très vite. Elle comprend très très vite, le MJ aussi, mais... Non, non, mais il tourne la tête vers Tilly, et... sans ouvrir la bouche, toute cette conversation va se faire télépathiquement. Ah. Donc, toi, Mao, Mao, tu ne le sais pas. D'accord. Je suis Rusty. Je suis un envoyé du roi Miskog, du roi Gobelin, de la forêt de Afsasis, dans le sud du Ragaron. Il m'a envoyé au nord pour requérir une assistance face à une invasion de Hobgoblins qui aurait été à la tête, dont une niche en serait à la tête, avec des lycanthropes qui débarqueraient du sud de Ragaron pour envahir la forêt. Et il aurait besoin d'une assistance d'alliés pour aider à repousser cette invasion. Et votre cousin, Mao Mao, a proposé l'aide de votre armée en ce sens. Ça la laisse pantoise pour un petit instant. Et du coup, je finirai ma phrase par un petit hochement de tête de respect. Elle peut te répondre par la télépathie, du coup, maintenant qu'il a initié ou pas ? C'est la télépathie du monstre. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas non plus. Attends, je te dis ça. Attends, je te le link, ça sera peut-être plus simple. Ouais, mais c'est pas grave, du coup, j'ai... Ah, Tilly a pu répondre. D'accord, ok. Du coup, elle va te répondre
Parce que je n'ai pas lu jusqu'au bout, mais je pense que c'est un petit peu ça que j'ai commencé à lire. Elle va te répondre que quelqu'un est venu en renfort du Yélin, un certain Scrotch. Il a réussi à acquérir des hommes qui, a priori, n'avaient pas d'ambition particulière d'aider les Tremblinois. Et ça a été, ça a porté ses fruits, puisque du coup ils ont quand même largement aidé à la sauvegarde du Tremblin. Et se dit que effectivement il y a plein de territoires d'un royaume d'Alarion qui pour l'instant ne sont pas en branle, pas ce qui se passe, et qui mériteraient de l'être. Le Yélin et le Talban. Et elle te dit qu'effectivement, si tu recherchais une armée, alors il est hors de question de prendre dans le camp ici ou dans le Kremlin, ni en Istat, parce qu'il est super quand même que le roi dispose de toutes les forces pour en envoyer ici. Par contre, effectivement, le Yélin ou le Talban, tu pourrais essayer auprès d'une cour pour essayer de gagner des soldats qui sont pour l'instant en état de végétation, en train de végéter. Et tu dis, nous avons l'attente des chevaliers qui sont venus du Yélin là, et qui nous demandent assistance si vous étiez porté à les aider, peut-être qu'en retour ils pourraient vous aider si vous je dis ça en même temps, je sais pas comment Scrotch y est pris pour réussir à avoir ces soldats. Je pourrais éventuellement me renseigner, mais peut-être que si vous leur rendiez service, peut-être qu'ils en seraient redevables également. J'avoue que mes talents de diplomate n'ont pas été les plus perfectionnés lors de ma création, mais je veux bien tenter de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils souhaitent, ce que je peux offrir en échange de leur aide. Ou ce que le roi Scott peut leur offrir en échange de leur aide. Bon, en ce qui concerne ce duc, le roi Scott des forêts du Ragaron, je ne sais pas si c'est surtout réglé ses problèmes personnels. Vous en avez des problèmes personnels, je dirais bien, mais pas besoin de sortir une grande diplomatie. De rester plutôt dans une idée d'aide. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin de ça. Et du coup, je vais arrêter là le lien télépathique et je vais répondre. Vous laisserez nous mettre en contact dans ces cas-là. Ça va être rapide, qu'elle dit aussi à voix haute. Et du coup, elle vous fait suivre pour rentrer dans la tente. J'ai loupé un épisode. Oui, bah, apparemment. Non. Mais t'inquiète pas, tu vas. On l'a fait celle-là. Je marmonne un truc, vous comprenez quelque chose comme ça, c'est la première fois qu'on m'a fait celle-là. Mais t'inquiète pas, tu vas te sentir moins seul quand tu vas rentrer à l'intérieur de la tente. Vous rentrez à l'intérieur de la tente où effectivement les discussions avaient un petit peu repris, du coup ils étaient en train de parler, c'était un peu incompréhensible.
Et puis, Kili se gêne absolument pas. Et elle rentre et dit, bon, j'ai trouvé une solution. Du coup, elle regarde deux chevaliers. Elle dit, chevalier Harald, Harald Magnusson et Doroy de Hautien. Hautieux, pardon. J'ai une solution à votre problème. Vous allez pouvoir régler les problèmes de votre duc. Et au moins, ça nous fera un problème en moins. Et du coup, elle regarde le général. Désolé de vous interrompre, mais je pense qu'au vu de tous les problèmes que nous sommes en train de ressasser depuis quelques heures, je pense que si nous pouvions nous en débarrasser d'un, ce serait toujours ça de gagner. Et du coup, elle désigne de la main les deux chevaliers. Harald, Doré, Dored d'ailleurs, c'est pas Doré, c'est Dored. Ces trois personnes sont venues pour vous entendre. Si vous pouviez éventuellement nous laisser discuter des affaires de défense du territoire et parler avec ses chers compagnons de ce qui vous arrive. Du coup, les deux se lèvent. Ils ont l'air d'être un petit peu gênés. Ils disent mais nous n'étions pas venus parler pour sur les problèmes de notre duc. On était venus là pour aider à monter le camp et le général qui les stoppe. Vous étiez là non seulement pour nous aider à monter le camp, ça c'est vrai, mais c'est vrai que depuis que vous êtes là, vous arrêtez pas de nous parler de votre duc et ça commence à bien faire. Donc, votre utilité, elle a fait son temps, puisque visiblement votre duc semble vous demander à sa cour, prenez du coup cette aide que l'on vous donne et veuillez retourner de là où vous venez. Les deux chevaliers vous regardent. Enfin, bref, tout le monde vous regarde en fait. Les chevaliers arrivent vers vous. Je crois que nous avons affaire ensemble. Oui. Le général nous a confié à vos soins. Oui. Déjà. Et du coup, Tilly va juste mettre une petite main sur le bras, sur ton bras gauche, avec. Un peu de tendresse quand même, et te chuchoter à l'oreille, je te revaudrai ça. Merci, cousin. Autre chose, je sors vite là. Ça, c'est excellent. Dans la tente de commandant, je sors de mon sac la terrine de Bécaophage. Si tu peux ramener ça à l'auberge. Effectivement. Je crois que je vais pas avoir le temps de le ramener. Et du coup, elle prend la terrine, elle te remercie bien sûr chaleureusement en te faisant la bise. Et d'ailleurs, elle se gênera pas pour faire la bise, y compris à Rusty et à Pointbrillant. Hein, elle fera la bise à tout le monde, sauf au chevalier. Elle prendra son temps en plus. Et merci à vous cinq et bonne journée. Et du coup, elle se retourne, enfin vous entendez, du coup, parce que vous n'allez pas y assister, mais vous entendez un petit peu. Bien, maintenant que nous sommes délivrés de ces deux connards, nous allons enfin pouvoir parler correctement. Vous la voyez, un certain soulagement de tri. Je marche de manière très, très académique et ainsi de suite. Et puis quand on est à 5 mètres de la tente, je m'arrête. Alors avec la tête un peu en biais en bas, je regarde les deux chevaliers. Je fais, vous avez fait quoi pour la rendre... pour l'agacer autant, ma cousine? En fait, nous sommes venus leur demander un peu de soutien contre un duc. Ouais, je pense pas que c'est pas qu'ils apprécient pas, c'est qu'ils peuvent pas s'en occuper, quoi.
Mais Nous, on veut bien vous donner un coup de main si vous voulez bien nous donner un coup de main, nous aussi, après, plus tard. Oui, on verra bien si vous êtes disposé, effectivement, pas de problème. Enfin, vous verrez ça Cela par nous. sera très gentil à vous, messieurs les connards. Non, ça c'est pas bien ça. Ça faut pas dire. C'est parce que Tigny était agacé. Ah. C'est pas des connards. C'est des chevaliers. C'est ça, hein, vous êtes des chevaliers. Oui, nous Ça veut sommes des pas dire chevalier? Non, connard, c'est une insulte. Ah. Chevalier, c'est un titre. Pardonnez-moi, je croyais que c'était synonyme dans votre Alors, langue. t'auras quand même Point Brillant qui dira: Ah bon, connard, c'est une insulte. Oui, c'est une insulte. Ah bon, je savais pas. C'est quoi une insulte? Pardon. Après, dans les mots de certaines personnes, c'est un qualificatif aussi. Ouais, ah Mais bah, insultant. Donc, ça il est d'accord, ça mais il c'est insultant comprend. normalement. Ça, Mais pour. normalement, c'est insultant. D'accord, ok. Bah, le mot qualificatif, bizarrement, Point Brillant le comprend. Et du coup. Ils ont dû sursauter quand j'ai dit ça. Bah, en fait, ils ont une tête, au vu de ce qu'ils ont entendu et de ce que vous êtes en train de leur dire, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. On est beaucoup moins bien à l'aise. Bon, Et et de pour vous... quelle raison avez-vous besoin de nous? Ils sont où vos quartiers? Allons nous asseoir dans vos Oui, quartiers, comme ça, c'est ça. c'est plus à l'aise. Parce que là, tu vois qu'ils sont vraiment mal à l'aise, ils n'ont pas envie d'en parler pour l'instant. Parce que là, on est à 5 mètres de la tente de commandement, quand même. C'est ça. On s'est pas arrêté bien loin, en fait. Et puis, il y a un bouchon devant la tente qui fait que, bon, Ouais, c'est ça. pas agréable. Et puis, vous n'avez pas Nous, on ce... vient.